Dimanche 22 janvier, il est midi. Une marée humaine se constitue sur le terrain Mamayemo, sur l'avenue Colonel Ebeya à Gombe, district de Lukunga. Ce sont des militants et cadres du mouvement de libération du Congo, MLC, qui font bloc après une pluie battante afin d'accompagner le président de l'interfédéral de Kinshasa du parti qui va répondre à l'obligation de l'enrôlement. S'inscrivant dans la logique de la centrale électorale qui veut à ce que les parties prenantes au processus s'emploient à la sensibilisation, Valentin Guerengo sensibilise à travers une marche circulaire qui remonte de la place Willery au centre d'enrôlement installé au collège Fatima dans l'enceinte de l'IFASIC. Après avoir rempli toutes les conditions requises à l'enrôlement, Valentin Guerengo obtient sa carte d'électeur. Ce que nous voulons, en s'enrôlant, nous nous attribuons un pouvoir. Le pouvoir, c'est celui de pouvoir sanctionner les gens contre nous. Donc, dès lors que vous avez votre carte d'électeur, vous avez deux choses, électeur et éligible. À partir de ce moment, je vais prendre la décision de devenir candidat, mais j'ai l'obligation de vote. Je demande donc à tous ceux qui sont encore en retard de pouvoir venir massivement voter pour permettre à la circonscription d'avoir un nombre élevé de candidats. Les élections étant l'affaire de tous, Valentin Guerengo a appelé à l'enrôlement de la population afin de faire le choix et surtout le bon pour ses prochains dirigeants.